Voici une question sans réponse préformulée. Le grand carré représenté sur la figure imprécise ci-dessous est constitué de deux carrés et de deux rectangles. Détermine son aire en mètres carrés à l'aide des informations données sur la figure. Puisque ce carré a une aire de 49 mètres carrés, c'est que son côté mesure 7 mètres. Donc là, on a également 7 mètres, et puisque l'aire c'est 14 mètres au carré, c'est que cette distance-là vaut 2 mètres. Par conséquent, le côté du grand carré est égal à 7 plus 2, c'est-à-dire 9 mètres. D'où l'aire du grand carré, c'est 9 fois 9, c'est-à-dire 81 mètres au carré. La réponse finale à la question posée, c'est donc 81. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.